Alors, cher associé. Comment va, cher associé? Hey, je vais très bien. Ça va? Ça va. On en est où? Alors, j'avais pensé que l'on pourrait modifier les plans en cassant ce mur, histoire de rallonger. Cela fera plus de place pour l'usine et nous pourrons installer plus de machines. C'est pas mal. S'ajoute à cela le temps que prendront les travaux dès qu'on obtiendra l'autorisation de construire. Voyons, cher associé, nous avons largement le temps. Les travaux ont déjà débuté. Les maçons étaient déjà prêts et n'attendaient que notre feu vert. Et puis, vous le savez mieux que moi, obtenir toutes ces autorisations peut s'avérer long et pénible. Long et pénible? Tu veux dire qu'on a mis en péril notre investissement? En commençant des travaux sans autorisation de construire, tu n'as tenu compte d'aucune recommandation de l'architecte, pas d'autorisation de construire, pas d'étude d'impact environnemental, pas d'étude de sécurité. Écoutez, allons voir l'architecte pour corriger cette situation. Et oui, si vous êtes investisseur au Sénégal, désormais avec Télédac, fini les tracasseries et longues distances à parcourir. Obtenez votre permis de construire en ligne dans un délai de 40 jours pour vos dossiers complexes. Adressez-vous au bureau e-citoyen de l'Ordre des architectes du Sénégal ou allez sur l'adresse www.teledac.gouv.sn et choisissez la procédure « Demande d'autorisation de construire ». Suivez les instructions indiquées en renseignant les documents justificatifs et en payant grâce au système de télépaiement. Le numéro de dépôt qui vous sera transmis vous permettra de suivre votre dossier en ligne ou par SMS, et le tout sans vous déplacer. Télédac, une technologie au service des usagers.